6 signes d'une femme immature émotionnellement. Ok les gars, les signes qui montrent que tu es en couple avec une femme immature émotionnellement. Elle est peut-être mature dans d'autres domaines, mais concernant les relations, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. Ça peut être ta copine, ça peut être ta fiancée. Si tu remarques ces 6 choses, bro, sache que tu fréquentes une femme immature émotionnellement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Laisse un like et surtout partage cette vidéo. Le premier signe qui montre que tu es en couple avec une femme immature émotionnellement, c'est que après 2 ans ou 3 ans de relation, elle ignore toujours si c'est vraiment avec toi qu'elle veut être. Ok? Après 2 ans, 3 ans, elle ignore toujours si c'est vraiment avec toi qu'elle finira. On peut comprendre si c'est 6 mois ou 1 an de relation. Là, la relation est encore fraîche. Mais normalement, après 2 ans ou 3 ans, une femme qui est mature, une femme qui est sérieuse, elle est censée savoir que c'est vraiment toi qu'elle veut. Ok? Donc, si tu remarques qu'après tant d'années de relation, elle ne sait pas toujours si c'est avec toi qu'elle finira, bro, sache que tu es en couple avec une femme immature émotionnellement. Voilà pourquoi vous verrez certains mecs, après 3 ans ou 4 ans de relation, ils demandent la meuf en mariage, la meuf dit non. Pourquoi? Parce que émotionnellement, elle est immature. Émotionnellement, elle est instable. Ok les gars? Une femme qui ne sait pas si c'est avec vous qu'elle finira ou pas, bro, c'est une femme qui essaie juste de gagner en temps. Le temps pour elle de trouver son prince charmant. Ça veut dire que si elle gagne en temps, toi tu perds en temps. Donc dès l'instant où tu remarques ces choses, qu'après 2 ans, 3 ans, elle ne sait pas toujours si c'est toi qu'elle veut, bro, mets fin à la relation. Ok? Si elle gagne en temps, tu gagnes en temps en mettant fin à la relation. Parce que si tu continues, tu es tout simplement en train de perdre ton temps. Le deuxième signe que tu es en couple avec une femme immature émotionnellement, elle fait des caprices tout le temps. Ok? Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle fait des caprices. C'est un peu comme les enfants. Ok? Quand un enfant veut quelque chose, il n'a rien à foutre de l'état financier de ses parents. Quand il veut quelque chose, il veut la chose. Et quand les parents ne veulent pas l'offrir la chose, il commence à crier, à s'enrouler, à pleurer, parce que dans sa tête, il ignore l'état financier de ses parents. Et certaines femmes adultes, elles sont comme ça. Dans les moments chauds, elles font les caprices. Elles savent que là, tu as la corde au cou. Financièrement, tu n'es pas vraiment stable. Mais malgré ça, elle vient te faire des caprices. L'année scolaire approche. Tu dois payer l'école des enfants, les fournitures des enfants. Tu dois tout faire pour les enfants. Elle vient aussi, elle ajoute ses besoins. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle est instable émotionnellement. Une femme qui est mature émotionnellement saura à quel moment faire ses caprices. Si elle sait que financièrement tu es débordé, elle attendra le bon moment pour faire ses caprices. Elle te laissera finir avec les courses des enfants, l'année scolaire des enfants, les trucs importants. Et peut-être le mois prochain, elle sait que tu n'as pas vraiment les dépenses. Là, elle viendra faire ses caprices. Mais une femme immature émotionnellement, même dans les moments chauds, elle viendra faire ses caprices. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle est comme un enfant. Elle s'en fout de ton état financier. Ok frère, si tu remarques ça, sache que tu es en couple avec une femme immature émotionnellement. Le signe suivant, ok? Elle se laisse facilement influencer par ses copines. Elle croit à tout ce qui sort de la bouche de ses copines. Ses copines peuvent venir et lui dire que tu la trompes. Sans se poser des questions, sans faire ses propres recherches, elle va croire. Elle viendra chez toi, elle va péter un câble, elle mettra fin à la relation. Pourquoi? Parce que émotionnellement, elle est immature. Tout ce qu'on lui dira sur toi, elle va croire. Parfois, quand ta meuf t'appelle et elle commence à te dire « J'ai envie de manger la pizza, j'ai envie de manger des burgers, fais-moi un transfert. » Parfois, ce sont ses copines qui lui demandent d'agir de la sorte. En fait, elle est en couple, mais ce sont ses copines qui gèrent la relation. Yeah. Les sommes parfois qu'elle te demande, ce sont ses copines qui l'envoient te demander ce genre de sommes. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle est instable émotionnellement. Si tu découvres que ta meuf est comme ça, bro, sache que tu deals avec un enfant. Tu es en couple avec une gamine. Ok? Le signe suivant, elle veut l'attention de tous les hommes. Ok? Une femme qui est
immature émotionnellement, elle ne veut pas seulement l'attention de son mec, mais elle veut l'attention de tous les hommes. C'est le genre de femme, elle est en couple, mais elle expose ses formes sur Internet. Elle est en couple, elle expose ses seins sur Internet. Et quand tu parles, elle te dit c'est rien, c'est juste des photos, ça ne veut rien dire. Non bro, pour toi ça veut dire quelque chose. Mais parce que elle est immature émotionnellement, elle pense que ça ne veut rien dire. Ok frère, si tu es en couple avec une femme qui fait ça, sache que tu es en couple avec une femme qui est instable émotionnellement. Ça veut dire qu'elle ne sait pas ce que c'est d'être en couple. Elle n'est pas prête pour une relation sérieuse. Le signe suivant, elle a du mal à respecter des simples instructions. Ok, une femme immature émotionnellement, elle a du mal à respecter les instructions. Tu vas dire à ta meuf, je ne veux pas te voir habillée d'une manière. Devant toi, elle fera comme si elle avait compris. Dès que tu tournes le dos, elle va s'habiller de la manière dont tu ne veux pas. Tu voyages, tu dis à ta meuf, ne laisse pas les enfants seuls à la maison. Je vais sur site pour un mois. S'il te plaît, garde bien les enfants. Ok, j'ai compris. Dès que tu tournes le dos, tu prends le vol. Le même soir, elle est déjà en boîte, les enfants sont seuls à la maison. Pourquoi ? Elle est immature. Ok ? Et le dernier signe d'une femme immature émotionnellement, elle a du mal à accepter ses responsabilités. Elle a du mal à assumer ses responsabilités. Tout ce qui se passe de mauvais dans la relation, c'est ta faute. Yeah. Même quand elle fait une bêtise, elle mettra ça sur toi. Elle te dira qu'elle t'a trompé parce que tu l'as trompé. Non, elle t'a trompé parce qu'elle voulait te tromper. Elle voulait le faire, mais parce qu'elle ne veut pas accepter son erreur, elle ne veut pas accepter ses responsabilités, elle mettra ça sur toi. Vous devez savoir que les personnes immatures émotionnellement veulent toujours avoir raison. Elles ne veulent jamais avoir tort. Ok ? Tout ce qui se passe de mal dans la relation sera toujours de ta faute, mais tout ce qui arrivera de bien, ce sera à cause d'elle. Donc si la relation va bien, c'est elle qui fait en sorte que la relation fonctionne. Mais si la relation va mal, même si c'est elle qui fait en sorte que les choses vont mal dans la relation, elle dira toujours que c'est toi. Pourquoi ? Parce qu'elle a du mal à assumer ses responsabilités. Ok ? Elle fera une bêtise, elle mettra ça sur toi. Si la relation tourne mal à cause d'elle, elle mettra ça sur toi. Pourquoi ? Parce que émotionnellement, elle est immature. Si vous remarquez ces 6 signes chez votre meuf, votre fiancé, les gars, sachez que vous dealez avec des gamines, avec des femmes instables émotionnellement. Il y en a que vous pouvez encore éduquer, que vous pouvez encore redresser. Mais il y en a, vous allez perdre votre temps. Ok les gars, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et surtout partager cette vidéo. Portez-vous bien.